frères et sœurs de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, chers internautes, bonjour. Nous sommes réunis sur ce plateau dans l'optique de vous présenter votre émission « La vie de la paroisse ». Dans ce numéro, nous parlerons du service d'accueil. Pour ce faire, nous avons l'immense honneur de recevoir M. Jean Gomis, responsable du service d'accueil. Monsieur Jean Gomis, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur le service d'accueil? Oui, le service d'accueil est une entité de la paroisse qui a comme membre des femmes et des hommes pour la bonne marche de la vie de la paroisse. Monsieur Jean Gomis, souvent on parle du service d'ordre. Et vous, vous venez de parler du service d'accueil. Quelle est la différence? On dit service d'ordre, mais on aimerait bien parler du service d'accueil parce qu'il est beaucoup plus diplomatique. Service d'accueil, c'est beaucoup plus... Depuis quand est-ce que ce service existe dans la paroisse? Le service d'accueil existe depuis 2010, où ça coïncidait avec la fête les 50 ans de la paroisse de Saint-Pierre de Baobab, où il y avait le père curé Grégoire Dob, qui nous a quand même beaucoup soutenus pour la bonne marche du service d'accueil. Quelle est la mission principale du service d'accueil dans la paroisse? Le service d'accueil est là pour aider les paroissiens à l'intérieur de l'église, pour les mettre à l'aise dans les places au niveau de l'église, à l'intérieur et dans les latéraux où il y a aussi la place pour les autres aussi. Et comment est-ce que ce service est structuré? Bon, il y a un bureau où il y a un président, un vice-président, il y a un secrétaire à l'organisation et les autres sont membres aussi. Souvent on dit que le service d'accueil assure aussi la sécurité, n'est-ce pas? Bon, on le dit parce que le service d'accueil, quand il est à l'église, on doit être beaucoup plus vigilant pour voir ce qui se passe à l'intérieur de l'église. Parce que des fois, il y a des désagréments au niveau de l'église, parce que si on voit, il y a pas mal de choses qui se passent, que les gens ne font pas attention. Bon, il y a certains qui viennent, bon, ils ne sont pas venus pour la messe peut-être, ils sont venus peut-être pour autre chose. Là, il faut être vigilant pour ça et essayer de faire attention afin que les paroissiens puissent bien suivre leur messe. Et comment vous assurez souvent la sécurité? La sécurité, bon, il y a un plan ligne qu'il faut faire au niveau des messes. Il y a à peine 5 messes. Le samedi, il y a une messe à 18h30 où on choisit quelques-uns pour pouvoir assurer la messe de 18h30 à le samedi. Et le dimanche, aussi à 7h30 aussi. Il faut aussi quelques membres aussi pour pouvoir assurer la messe de 7h30 et la messe de 10h, où c'est la grande messe qu'il faut toujours être gérée. Et la messe de 11h30, des enfants qu'il faut aussi gérer, et la messe de 18h30. Vous aviez dit qu'on appelle souvent le service d'accueil service d'ordre. Maintenant, quel est le lien qui existe entre l'ordre et la sécurité? Là, je me dis que bon, si on dit accueil, moi j'aimerais bien ce mot, c'est mieux. Accueil, bon, service d'ordre, d'accord, c'est peut-être policier, bon, on dit bon, accueil bon, au niveau de l'église, parce qu'il ne faut pas aussi balader les muscles pour pouvoir faire peur aux paroissiens, non, pas du tout. C'est la diplomatie, c'est quand même quelque chose de sérieux qu'il faut faire. Il faut quand même accueillir les gens comme il se doit et les placer à l'intérieur de l'église. Lors d'une célébration eucharistique, combien de membres interviennent souvent?
bon, il faut compter à peine 6. S'il y a 6 à l'intérieur, les autres peuvent être dans les latéraux. Là, c'est bien. Vous rencontrez souvent des difficultés ? Ah, les difficultés, on en rencontre des fois. Il y a pas mal de difficultés qu'il faut voir. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils ne sont pas, de notre religion, peut-être. Ou bien des gens qui viennent pour saboter. Là, ils viennent des fois, il y a des petits désagréments, il y a d'autres qui perturbent. Il y a d'autres qui viennent pour peut-être chercher quelque chose. Parce que si les paroissiens ne sont pas vigilants, ils prennent quelque chose. Surtout les paroissiens au niveau, au moment de la communion, des fois, il y a des paroissiens qui partent avec, qui laissent le bien, des fois portable ou bien sac. Là, si il n'y a personne qui n'est pas aux aguets, là, ils risquent de perdre. Et vigilant sur ce point. Chers internautes, nous sommes avec Monsieur Jean Gomis, responsable du service d'accueil. Monsieur Jean Gomis, chaque entité de la paroisse a souvent un prêtre qui l'accompagne. Ça veut dire que vous aviez un aumônier aussi. On a un aumônier ici. Quel rôle joue-t-il? C'est ça, c'est le père curé. C'est le père curé qui nous assiste. Bon, on a des fois des réunions. Chaque deuxième dimanche du mois, on se réunit pour faire un petit réglage, voir qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne va pas, tout ça là. Nous avions constaté que pendant la période du coronavirus, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Qu'est-ce que vous aviez fait? Là, on a subi une formation avec le service sanitaire qui a pu faire des formations pour pouvoir savoir comment il faut se tenir à l'église. Et c'est vraiment facile avec les paroissiens, c'est difficile, mais quand même... Ils ont compris, ils ont compris parce qu'ils savent qu'on les laissait 2 ans sans venir à l'église. Comme l'église est ouverte, alors maintenant il faudra suivre les indications et les informations. Mais ce n'était pas facile, c'était comme ça. Et jusqu'à présent, la distanciation, ça se voit des fois à l'église. Il faudrait qu'on puisse faire un assouplissement pour pouvoir. Et laisser encore la place. Nous constatons que les jeunes de la paroisse s'habillent bien pour venir à l'église. Ah oui, là, vous avez un rôle à y jouer. Oui, c'est vrai, c'est là ce cap où nos papas l'ont montré depuis longtemps. Tu sais, la paroisse de Saint-Pierre, c'est presque la bonne partie, c'est la cap. Alors là, on voit quand même, ça se reflète sur les enfants, chacun. Ils viennent avec sa petite famille, avec des comportements beaucoup plus sains et puis s'habillent bien quand même. Voilà, je suis content. Là, nous, on apprécie, nous qui sommes juste à la porte, là, sincèrement, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à Saint-Pierre. Ça s'habille bien, sincèrement. Durant vos parcours dans ce service, y a-t-il une histoire qui vous a marqué? Ah oui. Le problème, c'est toujours les réservations. Une fois, il y a une de nos mamans, on avait réservé la place pour les officiels et tout ça. Mais on a vu que la maman était venue s'implanter. Il disait que lui, elle disait qu'elle, elle a toujours resté dans son coin là. Alors, elle ne voulait pas sortir. Il y avait des difficultés. Il fallait courir de droite à gauche pour essayer de calmer le jeu. Mais elle n'a pas voulu. Mais finalement, on a dit, bon, il faut qu'on la laisse parce qu'elle n'a pas voulu. Elle était restée comme ça. Bon, on a compris, il ne fallait pas acheter. La vieillesse, c'est pas possible.
Vous aviez dit tout à l'heure que le service d'accueil use de la diplomatie. Mais est-ce que la diplomatie que vous usez souvent pour vous approcher des paroissiens fonctionne? Ça fonctionne, mais pas tellement. Pas tellement. Il y a d'autres qui comprennent bien. Surtout pendant la pandémie, les gens ne voulaient pas. Ils disaient que bon, les places qui sont restées comme ça, et sans personne. Bon, les gens disent, vous êtes restés quand même 2 ans sans venir à l'église. Alors maintenant, si on vous dit que cette maladie-là, elle est tellement contagieuse, il faut une distanciation. C'est pas facile. Alors là, c'est après. Là, on a eu des gens qui comprennent quand même, qui sont tout cœur avec nous. Il y a d'autres qui ne le sont pas. C'est pas facile. Monsieur Jean-Gomis, quels sont vos principaux souhaits pour notre paroisse? Ah, j'aimerais bien que cette paroisse, cette belle paroisse de Saint-Pierre-de-Paroisse, le doyenné de Grand Dakar, comme vous le voyez, il y a toujours, on est toujours sollicité, il vient de soi. Alors il faut que nous, les paroissiens, nous soyons unis pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir donner l'exemple. Moi, je dis qu'il faut essayer de s'entendre, de se parler et d'avoir les bonnes idées pour pouvoir ramener la paroisse comme c'est bon. Avez-vous un dernier mot à l'endroit de nos paroissiens? Voilà. Adhérez au service d'accueil. Alors, la porte elle est ouverte. De 18. Hommes et femmes, 18 à 80 ans, c'est possible. Hommes et femmes, c'est l'âge. C'est tout mon souhait. Parce que le nombre est tellement maintenant, on est une petite nombre. Avant, c'était un effectif aussi costaud. On pouvait faire l'église et en même temps le parking des voitures et tout. Il y avait la sécurité totale. Et on aimerait bien que ça continue quand même. Chers internautes, le service d'ordre, communément appelé service d'accueil, est là pour assurer la sécurité des paroissiens et aussi mettre de l'ordre pendant les célébrations eucharistiques. Monsieur Jean Gomis, présent, étant responsable du service d'accueil, invite les paroissiens à s'associer à eux pour pouvoir maximiser l'effectif. En attendant le prochain numéro, veuillez répondre à la question suivante. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram pour être informé de la suite. Prenez soin de vous, on est ensemble. Tu es bien.